Bienvenue Maxime, vous êtes le chef résident d'un lieu qui s'appelle le Refettorio. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle connaisse le Refettorio. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de ce lieu ? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tous. C'est la première fois que je prends la parole devant un public aussi grand. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Le Refettorio, c'est une initiative initiée par le chef Massimo Bottura, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un chef italien qui a reçu le prix de la meilleure table en 2015. Et lors de l'exposition universelle de Milan en 2015, il a été témoin, comme de nombreuses expositions se font, il y a un amas énorme de nourriture. Et donc ce chef a été témoin du gaspillage alimentaire lors de cette exposition universelle et a décidé de monter un restaurant solidaire éphémère utilisant les invendus, les surplus de cette exposition universelle pour les personnes en précarité. De là lui est venue l'idée de créer des restaurants à travers le monde. Donc il y en a eu un à Rio en 2016, un à Londres en 2017 et le dernier arrivé est à Paris en mars 2018. Le but du Refettorio est du coup de récupérer les invendus alimentaires pour les cuisiner et offrir des plats pour des personnes en précarité sociale ou en exclusion sociale. Le lieu n'est pas seulement un projet de charité puisqu'il est aussi, le but est de faire travailler des designers, des architectes et des artistes dans ce lieu pour offrir un lieu chaleureux, accueillant et inspirant pour nos invités. Alors, si je reviens à votre cas plus personnel, puisqu'on parle de plaisir lors de cette matinée, quelle place finalement le plaisir tient dans vos choix professionnels ? Alors, dans mes choix professionnels, il faut savoir qu'avant j'étais chargé d'affaires, il y a 5 ans, chargé d'affaires dans les travaux publics. Je me suis reconverti, donc ça n'avait rien à voir. Je n'y prenais aucun plaisir. C'était pas là où moi je trouvais mon plaisir. Chacun peut trouver son plaisir peut-être dans ce qu'il fait, moi c'était pas là. Je me suis reconverti dans la cuisine pour aller chercher les dynamiques qui me motivaient, qui étaient l'humain, la solidarité, l'altruisme et le respect de la planète. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà, ma quête du plaisir va par le travail et là où je me sens le plus à l'aise. Alors, donc, si je comprends, vous avez choisi une reconversion professionnelle parce que vous preniez votre plaisir à faire plaisir aux autres. Donc, quand on reçoit autant de monde dans ce lieu sous la Madeleine et qu'on essaye de faire plaisir aux autres, comment on fait pour sentir ce qui fait vraiment plaisir aux autres ? Parce que je pense que vous ne savez pas forcément de la veille sur le lendemain ce que vous allez cuisiner. Est-ce que vous savez s'il y a certains petits plats qui font davantage plaisir que d'autres ? Non, c'est vrai que l'exercice qu'on fait au Refettorio, alors le principe aussi d'inviter des grands chefs régulièrement qui viennent cuisiner pour nos invités. Oui, il y a mal de partenaires. Au-delà de vous, vous invitez vous avez quelques noms là, à nous citer de... Là, on voit Pascal Barbeau sur les vidéos. Il y a évidemment le chef Massimo Bottura. Il y a Olivier Rollinger qui est venu. Alain Ducasse. Qui était au Food Morning l'année dernière. Il collabore aussi. Tout à fait. Michel Troisgros aussi. Enfin, voilà, on a eu les plus grands noms de la cuisine mondiale. Là, on voit Alex Atala avec Massimo Bottura et Pascal Barbeau. Donc ces chefs-là viennent l'espace d'une soirée pour offrir le meilleur qu'ils puissent pour nos invités. Donc évidemment tout est fait à partir d'un vendu alimentaire, donc c'est un exercice assez difficile à relever chaque jour. Mais par rapport au plaisir, moi on m'a souvent dit pendant mon alternance et mon apprentissage en cuisine de donner de l'amour quand on faisait des plats. Il faut donner de l'amour. Donc en fait j'applique cette règle. Au Refettorio, c'est un plat, il n'y a pas de meilleur plat, il y a juste des plats qui sont faits avec amour. Et le chef Pascal Barbeau a dit aussi quelque chose d'intéressant quand il est venu. Il m'a dit, on ne peut donner du plaisir par l'assiette que si soi-même on en prend à le faire. Alors, je comprends parfaitement. Je pense que tous les chefs, quelque part, pourraient revendiquer ça, cette envie de faire plaisir aux autres. Apprendre, faire savoir, etc. Mais là encore, vous personnellement, vous auriez très bien pu faire cette reconversion et vous dire tiens, je vais aller ouvrir mon propre restaurant, je vais aller créer mon lieu pour faire découvrir ma cuisine à des convives. Pourquoi
avoir choisi un lieu comme le Refettorio plutôt que d'avoir choisi d'ouvrir votre propre table ? Je pense que chacun doit être maître de son existence. Moi, la cuisine m'a permis, comme on l'a dit tout à l'heure, d'éveiller. La cuisine éveille les cinq sens sensoriels. Moi, je suis à la recherche d'un sixième sens, qui est le sens qu'on veut donner à sa vie, le sens de pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Est-ce qu'on quittera cette Terre en ayant fait quelque chose dans le bon sens ? Est-ce qu'on a apporté notre pierre à l'édifice ? Quand j'arrive au Refettorio, mon intérêt pour l'humain et ma passion pour la cuisine se connectent à ce moment-là. Je vais dire qu'au Refettorio, je suis en train d'essayer de trouver ce sixième sens. Je ne dis pas que plus tard, je n'aurai pas mon projet ou mon restaurant. Pour l'instant, j'essaie d'aller dans ce sens et de trouver ce qui me convient. Pour l'instant, je suis comblé et j'ai l'impression de faire une cuisine avec du sens et qui donne du plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage. Je pense qu'on démarre ce Food Morning fort. Si je peux rajouter quelque chose, c'est Monsieur Botura est venu il y a deux semaines de cela. Et il m'a dit une phrase qui lui est propre, « Cuisiner est un acte d'amour ». Voilà, je pense que ça peut aussi résumer lancer le débat sur la cuisine et le food. Alors on va essayer de s'inspirer de ça tout au long de la matinée. On vient d'avoir la vision d'un jeune chef. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir la vision de la marque. Comment on fait aujourd'hui, quand on est un gros industriel et qu'on doit nourrir une grande partie de la planète et que, dans le même temps, vous avez certains médias qui réalisent des reportages un peu à charge contre l'industrie. Comment on fait alors qu'on réalise énormément d'efforts pour convaincre les consommateurs qu'on essaye véritablement d'améliorer cette marque ? On a la chance ce matin de pouvoir accueillir l'un des plus grands dirigeants de l'industrie agroalimentaire en France. Il a accepté de dialoguer avec Charlotte Bricard sur cette question de plaisir et de quête de sens. Je vous remercie d'accueillir sur scène Richard Girardeau, qui est le président directeur général du groupe Nestlé en France.